Baba, Tata Namono, Ntangu Yandi, Ivandaka Ke Salanamin. Geke Salaka, Tata Nange Mingi. Ah, Eli Lolu Lamono, Muzolaka Vekutuba. Ukizina Uge Bingi Lakamono. Ukizina Uge Bingi Lakamono. Tepe, Eli, what's the matter? Fighting will get you nowhere, Eli. Cut it out, kid. That ain't a toy. Eli. Don't call me that! I'm not a kid. You hear me? Enough. Hey ho. On the battlefield, they use one another's nom de guerre. Here, we insist they use their real names. Well, that hasn't sat too well with Eli. Or should I say, Unyoka ya Mbempe. He thinks his boys are letting us grown-ups walk all over him. Bon, et bien du coup, salut à tous, c'est Sorator pour un nouvel épisode sur Metal Gear Solid 5, sur PS4. Oui, non mais le papy vient nous expliquer que si on voit les symptômes, c'est que c'est déjà trop tard. Il faut arrêter de parler d'autres langues que l'anglais, je crois, si j'ai bien compris. Bref, du coup, bah, je suis juste rentré à la base depuis l'épisode dernier, et il y a eu cette petite scénette fort joyeuse. Ouais, mais du coup, la base est vraiment trop grande. Hein. À chaque fois, j'ai envie de visiter, mais pff, ça part dans tous les sens, c'est n'importe quoi. Du coup, je vais faire un petit tour sur la base. Et s'il n'y a rien d'intéressant, on se retrouvera dans l'hélico pour partir sur le terrain. Du coup, on reprend, on attaque l'épisode 29. J'ai fait un petit tour sur la base, rien de très intéressant. Donc, on attaque Archer Métallique. Donc, par défaut, le jeu ne m'a mis aucun coéquipier. Mais oui, c'est la suite. Oh putain. Papy, bouge pas. On va s'en occuper. Qu'est-ce qui se passe ? Papy! Coucou Soso, salut! Okay?
Il est où le papy? Oh mon dieu, je crois qu'il est vieux et russe. Papy russe. Il y a du niveau. Bon, le papy a disparu. Non, il est là, je l'ai vu. Il a pas bougé en fait. Ok. C'est quoi, c'est de la rouille? It looks like you're surrounded by mist. The support chopper can't get close to your position right now. Hurry, they are coming. Oula, il a l'air d'avoir de très grosses cuisses le machin. Qu'est-ce que c'est? Ouh, c'est dégueulasse. Encore un truc avec des porcs. Des spores, pardon, plutôt. Ah non, mais non, mais please. On est dans Metal Gear Solid, pas dans Resident Evil. Ou Evil. Putain, ils sont vraiment dégueulasses en plus. Hein. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se reconstituent. D'accord. Ils se fortifient. D'accord. J'ai pas pris mon lance-roquette. We are their quarry. Et puis y'a le papy. Papy. Papy! Ah! Secours! Au revoir, papy. Mais non! Ah non, en plus ça tire. Mais please! Laissez le papy tranquille. Putain, j'aurais dû prendre le lance-roquette. Oh putain! Papy! Papy! Papy. Papy. Arrêtez de me tirer dessus, putain. Je vais... Non, je suis pas derrière l'hélico. Ah, cours. Mon dieu. Papy reste en vie. Hein. Qui me tire dessus, là? Ah, non, non. Oh, putain. Soit au corps à corps, soit à distance, mais... Qu'est-ce qui m'arrive? Il y a quelqu'un dans mon dos. Agna! C'était quoi ça? Je comprends rien à ce qui se passe. Aïe. Au secours. À l'aide. Mais c'est horrible là. J'ai l'impression d'être une victime. Putain. Mais les mecs ils sont en cailloux là. Qu'est-ce que je fasse? What? Please. Non. Putain. Non. Ok. Ils sont teubés. Enfin, ils s'en foutent surtout, je pense. Voilà. Je suis là, je suis là. C'est bon, il est à moitié. Ok. Arrête. Hein. Ah, bien. Putain. Pour bien régénérer, faut que je reste immobile, quoi. Pas que je m'éloigne trop du papy, je pense. Ah! Arrêtez! Voilà, je suis devant vous. Ne vous téléportez pas! Putain! I'm here! Fucking bitch! Viens là. Nya, na, 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 na. Coucou! Il est où le deuxième?
Ah. Non, sortez pas vos guns, putain. Venez. Non, ils sont trop loin, ils sont trop loin, ils viennent pas. Putain, je suis en train de gaspiller mes dernières grenades. Alors le C4, ça pourrait être pas mal si j'arrive à le placer. Non. Oh putain. C'est horrible. Non, arrêtez de tirer. Alors après, il y a moyen de contrer apparemment parce que... Meurs-toi. Et merde. J'aurais mieux fait de me concentrer sur un headshot, ça aurait été beaucoup plus efficace. Du coup là, je peux pas regarder le chat, hein. Je suis ultra concentré. Le tank me protège. D'accord, ça fait rien du tout. Restez là, je suis là, je suis là, je suis là. Putain. Genre, je peux me défendre au corps à corps face à ça, mais n'importe quoi. Bonne nuit, bye bye, il y en a qui s'en vont, ok. Le jeu qui part en anard, mais non. Respecte Metal Gear Solid. Tu n'as point le choix. Bon, vous êtes où les deux trous ducs là? On va essayer de contrer. Ah, ça marche. Hein. Hop, hop, hop. Ah, ils sont pas deux, ils sont plus. Je pensais qu'il y en avait que deux d'actifs avec une jauge. Et merde. Ah, par contre, il faut vraiment être ultra réactif. Merde. Arrêtez. Nya. Ne me tuez pas. Please. Non. 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 Ah si, ça leur fait des dégâts. Putain, mais crève. Pff, ils sont plusieurs, c'est relou ça. Ouais d'accord, de la merde. Quoi? Je sais même pas où je suis par rapport au papy, ok. Hop, le tank me protège. Y'en a un qui est quasiment mort, parfait. Le carton, oui, le carton, c'est vachement le moment de le sortir, le carton. Meurs, bâtard. Merde. Je peux le taper une fois que... Attends, mais... D'accord. Ah, par contre, je peux pas aller l'agresser, hein, ça marche pas. Faut vraiment contrer. Ah non, mais c'est qu'ils ont deux jauges. Attendez, j'ai pas bien compris. Tu veux pas mourir, toi, sinon? Ou ça te dérange? Je crois qu'ils ont deux jauges en fait. Ils ont une jauge rouge brillant et après ça passe au foncé. Ah, papa. Menace ennemie en approche, mais non, please. Arrêtez. Hein. Et merde, trop tôt, aïe. Mais j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus. Attendez, le but c'est de éliminer les crânes, on est d'accord. Pas le tabasser lui. C'est de l'arnaque ça. Ah non. Je regardais pas devant, putain. Et ils sont tellement rapides, tu peux pas essayer de te concentrer pour en shooter un à distance. Merde. Tiens, dégage. Le carton sur le sommet chute. À sortir le carton là. Merde, d'accord, j'ai essayé de contrer mais c'était pas le moment apparemment. Là non plus c'était pas le moment. Putain, mais jamais vous crevez. Et voilà, non, j'ai bourriné la touche trop tôt. Du coup il se passe rien. GG. Faut vraiment appuyer au dernier moment. Ah, t'es qui toi? Voilà. Couche-toi, fais pas chier. Non, me tirez pas dessus, putain. Non. Laissez-moi tranquille. Non. Non. D'accord, j'ai mis un coup de pied au mec par terre. Oh my god. Où
Au secours. Ah, il y a quelqu'un ici. Non. C'est moi, Régène. Putain. Il y a pas de ration, quoi. Enfin... Ah, qu'est-ce qui se passe? Ils viennent pas à l'intérieur. Ouh, il y a des trucs au sol, ok. Ok. Pff, c'est une mauvaise idée de se me foutre là-dedans, je crois. Il t'envoie des trucs chelous. C'est encore pire. Laissez-moi tranquille. Hop, c'est quoi un carton? T'es sérieux? Ah non, je vais mourir. Arrêtez. Laissez-moi régénérer. Je suis mort de quoi? Putain. Bon. On va être beaucoup plus sur les contres. Au corps à corps. Go toi du hangar. Ouais, attends, je tue celui qui est à 21 mètres. Qui se régène à nouveau. Fuck you. Bitch. Putain, mais j'en peux plus. Et tout ça, c'est rouillé, là. On peut pas s'en servir. Échelle, hangar. C'est compliqué de regarder les astuces en jouant. Mais... Mais pas à couvert. Non, parce que j'ai passé quasiment toutes mes munitions. Je vois pas d'échelle. Où est l'échelle? Dépêche-toi, Snake. Appui-feu. Artillerie. Mangez-vous ça, bande de trous du cul! Lance-roquette à fond. Ouais, mais lance-roquette, j'ai plus. Alors, tu cours loin et tu fais demander des munitions. Oui, c'est pas faux, j'y pensais plus du coup, je suis tellement énervé là. Munitions, oui. Hop, sur la tête. Allez, bute-en un, please. Quoi? J'étais sous le feu? Please, non, non, non. D'où j'étais sous le feu là? Ça m'a pas touché, on avait aucune explosion là. Ah, vous m'énervez! Putain! Je voulais tout recommencer! Arrêtez de tirer au flingue, putain! Papy, aide-moi là, fais quelque chose! Ah, d'accord. Bon, bah écoutez. Le papy est mort. Donc c'est un échec, je pense que je vais faire une pause. Parce que c'est un peu compliqué, mais du coup, moi je n'y rejoue pas. D'ici la semaine prochaine, donc on reprendra la prochaine fois. Je prendrai le temps de me regarder une soluce, une astuce, développer les armes qu'il faut parce que le lance-roquette j'ai que les trucs basiques, j'ai rien développé du tout. Donc je m'arrête sur cet échec de qualité. Donc merci d'avoir regardé et à la prochaine pour la suite. Salut.